الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من خير لمن سوى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Et nous remercions Dieu pour votre présence dans son programme de ce soir avec titre Mensonges tous les temps, TNBKI, Kuban, qui dans les gamins. Et Inch'Allah, à travers ce programme-là, nous élaborons ce point-là. Et donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon faveur qu'il avait fait à nous, nous sommes présents ici, pour nous élaborons ça. De ce thème-là, de ce sujet-là. Alors, nous disons tout grandir pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa faveur et sa sagesse infinie, Alhamdulillah, nous prend comme une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous peut continuer la lutte contre ceux qui propagent le gouvernement, contre ceux égarés dans toutes ses formes et dans toutes ses couleurs. Dans toutes ces façons, et surtout dans une façon déguisée et dans une façon maquillée. Et Inch'Allah, dans sa lamite-là, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons essayer de mettre la lumière, ou bien plutôt nous pouvons dévoiler un parmi Bandari, menteur, qui l'espère croire à travers ce mensonge et lui pour faire, lui finir faire la victoire. Et Saisis, il a accepté sa parole qui dit premier une vérité amère qui est un mensonge doux. Alors ce problème-là, il est fini par la même. Mais avant de rentrer dans les détails, dans le point qu'il va le faire pour élaborer, mon frère et ma soeur, dit bon, nous attire l'attention sur quelque chose très important avant de rentrer dans le sujet. C'est la différence en des qualités mensonges, en des types de mensonges. Un premier, c'est un mensonge qui est obligé de cacher ça. Ça, c'est un premier type de mensonge. Un deuxième, c'est qui est obligé de dévoiler, obligé de mettre en public. Alors, ce premier-là, c'est un mensonge qui est un dimon tombe là-dedans par faiblesse de son iman. Par faiblesse de ce taqwa et il n'a pas conscience d'Allah. Il cause un menti, il n'a pas conscience d'Allah. Sa mensonge n'a pas pu induire personne dans les rires, dans les gamins. Alors, ça n'a pas nous supposé cacher ça, sa mensonge là, aussi longtemps que sa mensonge là, il n'a pas représenté un danger pour les autres. Aussi longtemps qu'il n'a pas représenté un danger pour les autres, alors nous supposé cacher ça. Sa mensonge là. Et deuxième mensonge qui vise à dévoiler, c'est un mensonge qui est une personne qui tombe là-dedans comme une conséquence, résultat de son égarement. Et il concerne dit Allah. Il peut induire ben, les autres démons dans les rires. Il peut inviter vers la peau de l'égarement. Il peut ouvrir ben, la peau de l'égarement. Ça n'a là, nous obligeons de dévoiler sa qualité mensonge là. Afin qu'il y ait des gens capables de distinguer, capables de différencier et connaître qui s'en a peut inviter vers l'égarement et qui s'en a peut inviter vers l'islam authentique de Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui s'en a peut vouloir pas poster pour la vérité, pour dire Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans sa élaboration de ce soir, Inch'Allah, définitivement, nous pas fin dévoile péché d'immune. Nous pas fin dévoile péché d'immune. Ça, c'est un lâche qui prend ça comme un moyen pour faire d'awa. C'est dévoile péché d'immune. Créa. Et nous fin plutôt dévoile mensonge d'un parmi mal frère qui fin cause un menti. Et les fin faire pas ça pour la vérité. Et les fin ou les servir ça mensonge là. Pour attaquer 20 kilos la vérité par sa mensonge. Alors, Inch'Allah, dans le programme de ce soir, nous faisons diviser en 4 parties. Après ça, introduction là, nous faisons diviser en 4 parties. Alors, sans plus tarder,
nous appelle nos frères et sœurs djawayer pour l'expliquer nous un peu comment l'islam les condamne le mensonge, comment c'est un péché grave et comment dans tout ban l'époque ban bidati ban égaré fin servi mensonge comme un béki ou api le savait qu'il a pour cacher la vérité. Frère Sand, à vous la parole. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc, on a vu le professeur que l'islam c'est un digne de vérité et sa digne l'Iban existe sur la vérité. Si donc la vérité est importante à l'islam, pour présent l'islam à les rois abyssiniques, nous gagnons des sahabis, Ja'far ibn Abi Talib, il peut présente l'islam à les rois abyssiniques quand ils ont fait Hijra. Alors, dans son exposé de l'islam, il dit «Hatta ba'ath Allahu ilayna rasoula minna jusqu'à ce qu'Allah fait envoyer un messager vers nous. » Et ce messager-là, il sort aussi de nous-mêmes. «Na'rifu nasabahu nukon sur la ligne familiale wa sutrahu. » Et nous voyons qu'il y a des gens qui disent la vérité. Il y a des gens qui sont honnêtes. Et aussi, il y a des gens qui sont modestes. Et il continue de dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur la da'wa qu'il fait faire, « Fada'ana ila Allah » Il fait inviter nous vers Allah subhanahu wa ta'ala, « Linouakhidahu » pour nous déclarer sur l'incité. C'est-à-dire pour nous faire comprendre qu'Allah Rabbul Alamin dit de son Uluhiyya, de son Ruhiyya et de son Asma wa Sifat, wa na'budahu, et nous adorons lui tout seul, wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni, et nous quittons tout ce qui nous et nos grands-parents je t'y peux adorer à moi. Min al-hijarati wa l'awthan, qu'il soit man russe ou bien man idole. وَأَمَرَنَا بِسُدْخِ الْحَدِيثِ Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le commencement sur Dawa même, il fait une ordonne à un sahaba pour qu'ils causent la vérité. وَأَدَا إِلْ أَمَانَ Et aussi pour retourner à l'amanat à ce propriétaire. وَسُلَةِ الرَّحِمِ Et aussi pour garder la relation familiale. وَحُسْنِ الْجُوَارِ Et reste bien avec mon voisin. والكف عن المحارم والدماء et aussi nous abstenir de billonner et du sang des malades. Alors basant là cet événement là nous trouvons les clair que l'islam qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça, c'est un islam qui invite souvent disciples pour causer la vérité, mais bien à doute qui en même temps que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient de nous pour cause la vérité, il vient aussi montrer nous gravité mensonge. Il vient cause concernant gravité mensonge, il y a plusieurs manhadiths, mais parmi nous vient choisir quelques-uns pour montrer comment les graves point du monde les causes menti dans l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa iyyakum wa al-kadhiba » Fais attention, n'a pas cause menti. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ Parce que mensonge yamène vers man péché. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ Et péché, man mauvaise action, yamène un démon vers différents enfers. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا Un démon, il peut cause mentir, il peut continuer cesse. Bon, il est recours avec mensonge jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala pour écrire lui étant qu'un mentir. C'est-à-dire qu'un démon, il peut mentir, il peut la tendance encore pour cause, encore mentir jusqu'à qui finalement, si dans le semi normal pour lui, Allah rabbul alamin écrire lui quand même mentir. A côté par Aisha radiallahu anha, il dit Ma kana. خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. لذلك يمكن باتين أوكين كاركتير كي لمساسي الله صلى الله عليه وسلم تبلي تتستي كي مانجوز. رسول صلى الله عليه وسلم بان من كاليتي بان موبي كاليتي كينا دا جمون كاليتي كي رسول الله
sallallahu alayhi wa sallam, tu peux détester. Parmi ma mauvaise qualité, c'est mensonge. Et c'est ça une qualité qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas si content du tout. Et les sahabis, Ibn Abi Waqqas sallallahu alayhi wa sallam, les dire, un il est capable d'avoir tout mauvais caractère, alors il accepte la trahison et cause mentir. C'est pas une mauvaise qualité, c'est possible ça. Quand tu baisses des imams, un petit peu de la main, mauvaise qualité dans lui. Mais seulement trahison, avec cause mentir, ça, c'est pas qualité d'un moumine. Dans un moumine, pas capable, et non, ça va une mauvaise qualité. Et l'État, il y a dans ça, il dit, après une cause, oui, on voit qu'il doit pas le hadith. Et on va ouvrir dedans, si mais la connaissance, on prend une cause, la vérité. Ça, il est beaucoup plus important qu'un petit peu de la pandémie, parce qu'ici, il y a un menteur, il est connu comme un menteur, ce digne qui prenait dans mon prénom, auquel il va lire. Alors, un petit peu de cause, ça, il est parmi les signes qui, un petit peu, il a la vérité. C'est-à-dire, normalement, un petit peu, qui a la vérité, c'est lui qui tout le temps il cause la vérité, parce qu'il fait, parce que ça, c'est qualité de malheur. Et à aucun moment, un moumine n'est pas beaucoup de mentir. À cause même qui nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien à doute qui tout le temps il fait une cause vraie. C'est là qui, si tu as une cause vraie, dans son figure, fini connaît qui il va mentir. Abdullah ibn Salam, les dire concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, cela arrivé dans Madina, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit vers Hijra, il dit quand les prophètes finissent Madina, ben, du monde, tu fais précipite vers lui. Et moi aussi, je suis parmi les qui fait une précipite vers lui. Il dit, comment fait une guette sur figure? Bien. Abdullah ibn Salam, il tient une juif. Quand il fait une guette, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur figure bien. Il dit, moi, je connais qui sur figure, ce n'est pas une figure d'un menteur. C'est une guette, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur figure. Les vieux trouvent que ça n'a pas une figure d'un menteur. Ça. Et la doute que c'est un du monde qui vient avec un message de la vérité et il vient embrasse l'islam après qu'il vient pose certainement question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit nous besoin surveiller le sunnah avec la vérité, avec la sincérité et avec la justice. Et non plus nous surveiller le sunnah avec mensonge et l'injustice. C'est-à-dire si vous avez vient un défenseur. Les sunnahs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez mis un défenseur des sunnahs de la vérité avec elle. Avec la vérité. Pas avec mensonge, mais avec la vérité. Cheikh Rabbi al-Matkali, Habibullah, lui dit Wallahi la yuhfadhu hadha din illa bis sadiqin. Il dit c'est un mot Allah, ça dit il n'a pas pu être préservé excepté par ban, véridique, ban qui cause, vrai. Ma yuhfadhu. Bil kadhibin wal mulabbisin. Dire, ça dit, n'a pas pu être préservé à travers ban menteur et ban qui crée confusion. Alors, ban qui fait même pour préserver sa dîme, c'est ban qui tout le temps, je cause la vérité. Et malgré qui mensonge dit bien grave dans l'islam, il reste qui mensonge dit toujours un béquille pour ban qui dans fausse, pour ban qui dans l'égorement. Parce qu'à travers les mensonges, je suis capable de sauver des certaines humaines légalement qui je t'invite bien ça. Et en même temps, connais qui sa qualité-là, mensonge, c'est toujours une qualité des humaines qui doit légalement. Les humaines, ça fait un nouveau sens. Ça, c'est la qualité des humaines qui sont toujours dans légalement. Comment l'imam al-Awsari dit Fa inna ahla al-bida, kulluhum mubtunun affakum. Les yeux, ban biladi, je tout, je ban qui annule ban la loi de l'islam, et je ban grand menteur. C'est-à-dire, il y a beaucoup ban la loi qui se contournait, et en même temps, je t'en ban grand menteur. Imam Ibrahim al-Jujazani, les yeux, wa kafa bil kazibi bid'a. Les yeux, mensonge, je suis quand même bid'a. Mensonge, je suis quand même bid'a. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, les dire, l'origine parole de man bidati, c'est-à-dire n'importe qui man parole, man nouveauté qui man bidati vient amener, sur l'origine c'est mensonge. C'est tout man bidat, sur l'origine c'est que c'est mensonge. Soit intentionnellement, c'est soit intentionnellement, il vient amener sa mensonge,
ou bien à travers Zulbidan. Et à travers Zulbidan, qui se fait amener le hadith, c'est-à-dire ça, les minènes, mensonges des autres, Ibn Taymiyyah, on doit toujours les dire, shirk. Et tout le bida, je fondais le mensonge. Shirk et tout le bida, fondait le mensonge. Et une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle. Il dit à quoi ça? Plein qui gagne les lois des taouris et des sunnas, plein du monde les lois avec taouris et des sunnas, les plus costés avec shirk, bida et mal, fausse nouvelle, et mal fausseté. C'est-à-dire, plein du monde les la vérité, plus il faut causer la vérité pour plus loin avec fausseté. Mais plein du monde les lois avec taouris et des sunnas, automatiquement il commence à causer avec shirk, il commence à causer avec bida et il commence à causer avec mal fausse. شكرا بيا المدخلية حفظه الله لتير أهل البدع كلهم يكذبون ويلبسون إذا تمن بداتي زود كوزمانتي إي زود كري كونفجون تمن بداتي زود كاليتي زود تجو كوزمانتي إي زود كري كونفجون إذا زود أمين من بارول كي كري من دوت وبيا من كونفجون دار لتب من جمون إي عبد الكريم بكار لتير كونسنا عايزيس Dijer, Umur Rum, Tafu Umur Alal Kadib. Concernant l'État ISIS, Dijer, Je m'en affaire, il repose au Kadib. Je m'en affaire, il repose au mensonge. Alors, ben regardé, je pense que c'est menti, mais je considère, ben, du monde comme si je me tâche sur vous. C'est-à-dire, je m'en innocent, je m'en menti, mais en même temps, je passe pour Kadib. Il y a du monde qui est innocent. À cause de même qui il n'est pas drôle qu'il y ait trop de travailler, faire un programme logique qui se dit. Le travail, parce qu'ils ont pour cause un paquet mort, ils ont pour cause mentir ou bien ils ont pour, je dirais, jouer avec, ils ont pour créer un confusion dans la tête, mais du monde pour faire du monde croire qu'ils ont je bats là. Alors, dans l'époque des imams Baous, un poème en grande Amérique, comme on a voté par Abu Zubayr, lui dire, nous sommes faits avoir pour ensemble avec toi, Rousse, nous faisons pas ce que Ma'abad al-Juhani. Ma'abad al-Juhani, c'est lui-même fondateur de cette Qadariya. C'est lui-même qui amène sa bidon concernant Qadar. Alors, quelqu'un vient dire à toi, Rousse, ça c'est Ma'abad al-Juhani qui cause ce qui n'est pas besoin dans Qadar. Alors, il vient introduire lui. Bon, si toi aussi par contre, alors qui gagne, j'ai dit ça en dixième sens. Ma'abad qui dit qu'on ne s'est pas besoin de l'eau, alors toi aussi, j'ai dit, c'est toi-même qui cause mentir l'eau à Allah, quelque chose qui ne te pas connaît et qui te met la connaissance, bien c'est toi-même ça. Alors Ma'abad qui répond, ben là, tu viens mensonge à moi. Ben là, tu viens regarder, mensonge à lui. Soit ça, il y a l'innocent. C'est lui-même fondateur de ça, fausse akhidala, mais il passe pour elle. Il passe pour elle, innocent. Maintenant, il tasse le monde. Maintenant, il vient attribuer ça à moi. Et en vérité, c'est lui qui vient introduire ça, sa bidon. Alors, pour montrer où, qui, ben, dans les romans, ça veut dire, mensonge, c'est un béquille extraordinaire. Ça veut dire, pour servir mensonge, ça, il y a une chose normale pour vous. Plus bien encore, ben Bidati, ben qui dans les grands noms, je passis cause mentir, mais je déclare ben qui me cause en vérité comme ben mentir. Si c'est nous, comment Allah subhanahu wa ta'ala fin cause concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ben Koufar de Makka fin considère Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un comme mentir. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini sa paix depuis sa titre là, est-ce que vous pensez qu'il va dégarer après le pouvoir de Makkah, je vous cause bon, le ban qui a la vérité? Il y en a d'autres qui, il n'y en a rien drôle, quand trop, ben, qui dans les garments, je cause menti, je t'attribue mensonge à quelqu'un, à ban qui a la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وعجبوا أن جاءهم منذر منهم على بن أبي تمكة زبيني دوني كي الله سبحانه وتعالى في نواي أن أبي تسير كي سوتي دبي زبم
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Ben kafir veut dire qui ça, c'est un sorcier, un grand menteur. Concernant Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, je vais considérer comme quelqu'un, comme un sorcier et comme un menteur. Alors, ben la doute qui, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben échappé, ben qui pouvait après, je ne publie pas ça. Mais alors, ben on aurait drôle de la part des ben qui, dans les gamins, pour je t'attribuer mensonge à ben quelqu'un, à ben qui l'autre. Ben qui doit la vérité. Et ben qui, dans les gamins, pour justifier je le mensonge, alors je cause encore mentir. Pour justifier je le mensonge, alors parfois je discute et je cause mentir dans une discussion. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man qasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu. Celui qui discute l'opposité avec toute connaissance. C'est-à-dire quand il veut discuter, il connaît, lui. Qui s'en vient là, il veut cause, mentir. L'âme yazal fi sakhatullahi hatta yanzira anhu. Alors il veut toujours rester dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il arrête avec sa mensonge. C'est-à-dire ça dit là, quand il veut discuter avec lui, il connaît, c'est un moment qu'il veut discuter là, il veut cause, mentir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa djumouna, il peut toujours rester dans la colère à Allah jusqu'à ce qu'il arrête avec sa mensonge. Alors, peine n'a rien drôle quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire un hadith pareil, il ne peut pas dire qu'il soit qu'il n'a même pas existé. Il peut dire qu'il soit qu'il peut prendre place définitivement pour un homme en djumouna qu'ils ont pu discuter et ils ont connu sur mes causes. Mardi, je continue de discuter avec. Celui qui se fait causer et je connais qui se fait cause, mentir. Alors, il y a l'autre qui après qui nous fait un petit rappel concernant la gravité des mensonges dans l'islam et que l'islam lui base donc existe la vérité et nous montrer que Ban Bidati, ça, ou bien Ban Kida légalement, ça c'est une bonne qualité, ça. C'est oui, mensonge, parce que je toujours comme mentir et je toujours prends mensonge comme un béquille pour eux. Alors, il y a l'autre qui. Il suffit comme un appel pour nous comprendre la gravité de cette situation-là et pour qu'il tout le temps n'abstenir des mensonges. Après le Coran, il y a là, on va se faire pour l'ordre.